Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Mécolo terminée de fin de mois. Donc on va commencer par cette vidéo, d'habitude je le mets à la fin, mais là j'ai envie de le mettre au début, par mes DP, puisque là j'en ai deux en route. Et ouais, je commence à avoir des encours aussi au niveau du DP, ça va pas le faire, ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous faire voir mon Jack Skellington qui a hyper bien avancé, et celles qui ont vu mes lives doivent l'attendre avec impatience. Alors, pour le voir en entier, voilà. Donc il me reste un tiers à peu près de la toile, donc le tiers du milieu. Le rendu comme ça est super joli, moi j'adore. Par contre, il y a quelques trous, quelques espaces quand vous regardez de très près, mais bon. Et celui de Kefan, voilà où j'en suis. Voilà. Ouais, ça se voit, c'est assez net. Hein. On voit bien que là, je suis en cours ici. Donc, je suis encore tout en haut, hein. Voilà. Alors, pour mes colos terminés. Alors, en fin de compte, si vous avez regardé mes autres vidéos, la vidéo fil rouge et la vidéo mes colos fil rouge et la vidéo défi, vous aurez vu tous mes colos à part les mystères. Mais bon. Alors, j'ai commencé par le Nightfall. Donc. Mais c'est pas grave de le mettre en dernier parce que le dernier colo est dans Nightfall. Ah oui, j'ai repris un ancien livre. Ah non, donc ceux-là, vous ne les avez pas vus. J'ai repris un ancien livre, le psychédélique, parce que dedans, j'avais deux encours, en fait, que ça faisait, écoutez, plus d'un an qu'ils étaient en cours et que je n'avais pas terminé. Donc, il y avait celui-ci, de ce côté-là. En fait, celui-ci, pendant que je le faisais, j'ai le rose qui m'a lâché en cours de route. Donc c'est du Pen 68, donc le rose m'avait lâché en route, donc j'avais arrêté et je ne l'ai jamais repris. Et du coup, vu que celui-là, j'avais plus de rose pour le continuer, j'avais commencé celui-ci que je n'avais jamais terminé. Donc voilà. Et là, il est donc terminé. Alors le psychédélique, c'est un de mes tout premiers livres, mais on en reparlera d'ici peu. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo où vous allez pouvoir retrouver, enfin une vidéo, des vidéos, une série de vidéos. Vous allez pouvoir retrouver tous mes livres, pardon, où je vous présenterai en même temps tous les colos qu'il y a dans les livres et en même temps je ferai mon tracker. Comme ça permettra de voir vraiment où j'en suis dans ma collection et puis de voir où en sont les livres par rapport à voilà. Comme ça me permettra de voir tout ça. Donc dans le psychédélique, qui est assez bien avancé, je ne faisais que du colo au Pen 68 avec des fois des rajouts au crayon de couleur. Et il me reste 43 pages à réaliser à l'intérieur pour le terminer. C'est un livre, en fait, je m'en servais un peu comme les colos mystères. C'était un livre pour me détendre point barre, quoi. Il n'y avait aucune technique à l'intérieur. Juste je pose une couche de feutre et c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Anna Carson. Alors, il est ici, dans le Saison, qui fait partie, lui, des fils rouges. Et donc, ce mois-ci. Oh, mes cheveux. Il y a un cheveu là. Ce mois-ci, on a fait celui-ci et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. J'adore. Je vais voir de plus près. Alors, je l'ai réalisé avec les Giotto Style Nouveau. Donc, vous voyez, le rendu est vraiment sympa pour des crayons d'entrée de gamme. La peau. Donc j'ai utilisé et la boîte de 50 et la boîte de peau. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Mozart
plus les points qui ont été faits avec les pots chez Action. J'en suis vraiment, vraiment très contente de celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on avait donc un colo dans le Girl Power. Alors, celui-ci, ça a été un de ces bazars. Voilà, celui-ci. Alors, je vous explique. Déjà, j'ai utilisé les Castel Art Supplies plus les polycolores. Alors, les polycolores, je l'ai utilisé pour la peau que vous voyez ici. Donc, une fois que j'avais fait mon personnage ici, j'avais fait mes crocos ici. Alors, mes crocos, vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Quand j'ai fait celui-ci, je me suis dit non, ça fait un peu trop flash. Donc, après, j'ai fait celui-là et je l'ai fait beaucoup moins flash au niveau de la gueule. Donc, j'avais fait mes personnages et j'ai commencé à faire mes diamants. Alors, mes diamants, j'ai essayé de faire des effets à l'intérieur. Ils sont faits au Tombow aquarellé. Sauf que j'étais dans mon lit en train de faire mes petits diamants et mon homme a débarqué. Et j'ai perdu le fil de ce que je faisais. Et du coup, mon pinceau, enfin mon feutre, le côté pinceau des Tombow, il est tombé en plein, vous voyez, est-ce que vous voyez, voilà, en plein sur le visage de Médusa. En plein milieu. Alors, j'ai essayé de gommer un peu. Ça m'a fait un de ces pâtés. J'ai remis de la couleur. Enfin bref, j'ai essayé plein de trucs, mais il est encore bien voyant, bien là. Et je suis dégoûtée parce que ben, ma peau, elle était belle et tout, machin. Et là, du coup, j'ai tout gâché en fin de compte. Donc au départ, j'avais même envie de le laisser tomber et de ne pas finir mes diamants, quoi, parce que je venais juste de commencer à aquareller. J'avais fait la base, le fond, des diamants avec du bleu ciel très clair. Et pour faire un petit peu les couleurs qu'il y a dedans, j'ai pris un bleu plus foncé. Et quand j'ai commencé avec le bleu plus foncé, boum, il m'arrive ça. Donc j'avais pas envie de... Je l'ai laissé de côté, j'avais pas envie de le faire. Voilà. Et pour le fond argenté, c'est aquarelle nacrée également. De chez Action. Non ? Il est où ? Si, c'est ça. Aquarelle nacrée de chez Action. Et c'est le noir. Mais en fait, il fait gris argenté, vraiment. Donc finalement, le résultat est plutôt sympa. Sauf que le visage, il a été vraiment très, très bien gâché. ensuite, Girl Power. Peter Pan. Et ouais, j'ai fait un coloriage en Peter Pan qui est ici. Ça faisait... Je vais vous dire ça tout de suite. Le dernier colo que j'ai fini à l'intérieur, il date de septembre 2019. Fin septembre 2019. Et en fait, vu que la page d'après, c'est une double page très chargée, voilà, je ne sais pas retourner à l'intérieur. Mais du coup, j'ai fait une page un peu plus loin pour la fête des mamans. J'ai fait cette scène ici. Alors, dedans, il y a en crayon les Prismacolor. J'ai utilisé les polycolores pour le visage. Pour le visage de la maman. Pour le visage, pour tous les visages, j'ai utilisé les polycolores. Pour tout le reste, c'est Prismacolor, sauf le vert que vous voyez ici dans le fond. Ça, c'est de l'aquarelle sec, du pastel sec de chez Action. Sinon, tout le reste, c'est Prismacolor, tout le cadre, voilà. Tout ça, c'est Prismacolor. Ah, et non, je l'ai pas souligné, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Nana est fait au drawing. Voilà pour celui-ci. Alors, je suis super contente d'avoir recolorié dedans. On va le mettre là. Ensuite, il me reste donc le Nightfall.
Et j'ai réussi à en faire deux dans le Nightfall ce mois-ci. Et c'est pareil, j'ai vérifié un petit peu où j'en étais par rapport au livre. Donc voici celui qui a été réalisé ce mois-ci. Alors je le trouve très automnal, mais voilà. Donc il y a du... Avec quel crayon je l'ai fait? Je crois que je l'ai refait au style nouveau, celui-là. Un polychromos. Non. Donc, il a été colorié au polychromos et le contour s'est fait au pastel sec, par contre. C'est bien ça? J'ai même pas marqué. Ah si, pastel sec d'action et signaux blancs. Il y en a un petit peu de signaux blancs, il n'y en a pas partout. Donc, j'ai changé de couleur pour mon petit papillon et je le trouve plutôt sympathique. Voilà pour le premier qui a été fait dedans et le deuxième il est tout au bout et j'aime beaucoup le rendu de la double page du coup. Donc c'est celui-ci. Il a été fait au Prismacolor pour le coloriage, le fond en haut rose, donc pour rappeler le fond de l'autre colo. Il a été fait à l'aquarelle d'action également, l'aquarelle nacrée d'action. Même les ronds roses, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. Les personnages et les fleurs ont été faits au Prismacolor. Et il y a un peu de signaux blancs pour les ailes et pour deux, trois petites babioles. Voilà. Et j'aime beaucoup le reste. Ah, et le fond d'eau, il a été fait au... Comment il s'appelle? Les premiers que j'ai eus en aquarelle, là. Les hard grip que j'aime beaucoup le résultat. J'avais décidé de faire des bulles blanches dans le fond et puis finalement mon crayon blanc m'embête donc je l'ai pas fait. Et puis il y avait déjà des espèces de petits ronds en haut là, voilà. Je trouvais que ça faisait un peu trop chargé. Déjà les ronds, je trouvais qu'ils en ont mis beaucoup de ce côté-là et ça m'a embêté. Je vous fais voir le rendu des deux pages parce que vraiment j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc dans les colos dits classiques, hors mystère, c'est tout ce que j'ai fait. Alors ouais, dans ce livre-là, je vous avais dit que j'allais vous le dire. Quand on fait la mise à jour, pour le mois de juin, en démarrant le mois de juin, il y a 43 colos de fées à l'intérieur et il me reste 47 pages à faire. Donc 43 pages de fées et il me reste 47 pages à faire. Sur un an et demi où je l'utilise tous les mois, quand même. Donc je ne sais pas si je vais réussir. Non, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je suis sûre que je ne réussirai pas à le finir cette année. Ça, c'est sûr et certain. Alors ensuite, j'ai fait mes colos mystères avec Colorine dans ce livre. Alors comme je vous avais dit il y a quelque temps, trois colos mystères par mois dans le tome 2. Donc voici le premier qui est un chien dans La Belle et le Clochard, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un petit peu le conseiller de La Belle. Hein. Voilà. J'aime bien. J'ai eu beaucoup de mal encore à trouver les marrons, mais heureusement dans celui-ci, il n'y en avait pas tellement. Donc je l'ai décalé pour pouvoir vous mettre ceux d'à côté. Hein. De toute façon, vous les voyez, je suppose. Donc voilà. Ensuite, il y a eu celui-ci. Alors celui-ci, moi j'adore ce colo. Je le trouve trop trop beau. Voilà, Winnie l'ourson. Il est trop mignon. J'ai galéré un peu avec les oranges. J'étais pas sûre de ce que je faisais. Mais finalement, le rendu est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc pour le deuxième. Et donc le dernier, la grenouille. Grenouille de la princesse et la grenouille, je crois. Hein. Je sais même plus. Page 79. 79. C'est ça. La princesse et la grenouille. Voilà, il me semble que c'est le prince. Hein. Donc voilà pour ce livre. Et j'en suis à la page 79. Donc par contre, celui-ci,
je sais que j'arriverai au bout. Enfin, du coup, on va commencer. J'ai fait la page 79 et ce mois-ci, j'entame la page 80. Donc, il me reste 20 colos à faire à l'intérieur. Donc, 20 colos à faire en faisant 3 par mois, j'arrive à la fin du mois. Donc, calculez un petit peu la différence, puisque dans le Nightfall, je viens de vous dire qu'il m'en reste, je sais déjà plus, 47 à colorier. Je sais déjà plus. Voilà, c'est ça. Il m'en reste 47 à colorier. Alors qu'ici, il m'en reste 20. Et en faisant 3 par mois, j'arriverai à le finir à la fin de l'année. Ça voudrait dire qu'il me faudrait que je fasse une moyenne de 6 colos par mois. Plus de 6 colos par mois, parce qu'on a 47, hein, on n'est pas à 40. Dans le Nightfall, si je voudrais le finir à la fin de l'année. C'est it is impossible. Voilà, impossible. Donc voilà pour les grands classiques Disney, tome 2. Et enfin, le dernier. Alors celui-là, j'ai galéré ce mois-ci. Je vous en avais parlé de toute façon. C'est le Babies. Le coloriage mystère cercle magique Babies. Donc j'ai fait la page 5 et 6. Et alors la page 6, c'est on va finir sur une catastrophe. Alors j'espère que Colorine les aura mieux réussi que moi parce que je tourne cette vidéo le 29 au soir et je n'ai pas encore vu ou reçu puisque là aujourd'hui j'ai pas été beaucoup sur mon téléphone donc j'ai pas vu ce qui se passait sur ma boîte mail. Donc je n'ai pas encore reçu les colos des copines. Donc celui-ci, ça passe encore, donc c'est le Mittens, enfin je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, donc celui-ci ça va, plutôt sympathique. Je vais voir ceux de la copine. Il y a pas mal de nuances de gris et de noir en fait, que vous voyez pas forcément. Alors en approchant on le voit un peu. Voilà, quand c'est loin c'est vrai qu'on voit pas forcément toutes les nuances, hein. Donc là, je pense que vous aurez eu le temps de voir les autres. Et donc, voici la grosse catastrophe de ce mois-ci. Tout ça parce que ce colo, il y avait... combien il y avait de marrons? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 marrons. 12 marrons. Alors que ça fait des mois que je vous dis que je galère avec le marron parce que j'en ai plus beaucoup. Imaginez pas le bazar. Là, attendez, je vais vous... Il y a une couleur, enfin, il y a un feutre que j'ai utilisé pour 3 références. Parce que c'était vraiment catastrophe. Et voilà ce que ça donne. Bon, on dirait un petit peu un colo en sépia. Mais voilà. Disons que c'est le colo le plus raté du mois. Ah, je suis contente par contre, quand on le regarde de loin, comme ça, ça va en fait, hein. De loin, j'ai vraiment l'impression que vous, ça va. Mais de près... Voilà. Je ne l'aime pas du tout, celui-ci. Heureusement, c'est passé. Et les deux de ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de marrons. Donc ça, c'est hyper chouette. Je vais pouvoir les faire la tête tranquille. Par contre, le mois prochain, il y en aura un où il y a une, deux, trois, quatre marrons. Bon, ça devrait être gérable. Surtout que je vois déjà quel personnage c'est. Ouais, non, après, c'est bon. Là, je pense que... Enfin, tout au moins dans les premières pages. Je vais pas aller jusqu'au bout. Oh là là, le 14. Comment je vais faire le 14, moi? Il n'y a que du marron. Il y a cette couleur, il n'y a que du marron. Enfin, il y a un noir et le reste, c'est que du marron. Du marron le plus clair ou plus foncé. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout pour les colos de ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.